Salut, bienvenue sur une autre édition de l'invité du dimanche. Dans le cadre de notre émission aujourd'hui, nous recevons M. Eric Makoso. M. Eric Makoso est fondateur, directeur du groupe UNADA. Bienvenue M. Eric. Salut Mme Suzy. Nous sommes sur le plateau d'Afrique Today et nous voulons savoir qu'est-ce que UNADA. Ah ben, je vous remercie tous déjà de votre invitation et de notre collaboration en plus qui fait que l'UNADA aujourd'hui est partenaire officiel avec Afrique Today. Donc, je viendrai ici en disant l'UNADA, c'est l'Union agricole de la diaspora africaine. Alors, je vais essayer de me présenter ici. Moi, c'est Eric Makoso, le fondateur de l'UNADA. Et qu'est-ce qui pousse Eric Makoso à arriver à créer cet organisme-là aujourd'hui qui veut rassembler tous les Africains de diverses nationalités? En fait, Eric Makoso est un agriculteur. L'histoire, c'est Eric Makoso devenu un agriculteur pratiquement il y a 5 ans, d'où je mène des activités continues aujourd'hui dans ce domaine qui est l'agriculture. Donc, c'est grâce à ceci, j'ai des réalisations qui ont été faites en Afrique, dans le secteur agricole, précisément au Cameroun. Et ça a permis ensemble avec certains frères et amis de venir à penser qu'il était l'heure à l'Afrique de créer quelque chose qui pourrait réunir les Africains afin, n'est-ce pas, ici, d'amener cette dynamique dans ce secteur qui a été oublié aujourd'hui par les Africains. Donc je viens une fois de plus tirer le bâton, comme on le dit souvent, mettre le bâton derrière tous les Africains de se joindre à l'Union agricole de la diaspora pour que ce rêve, cette vision soit une vision de tous les Africains. Donc voilà à peu près comment est-ce que l'histoire de l'UNADA, qui veut dire aujourd'hui l'Union agricole de la diaspora, est née pour permettre d'amener les Africains ici à dans ce secteur qui est celui de l'agriculture. Merci, Monsieur Eric. L'UNADA est créé quand? Oui, l'UNADA est l'idée née depuis l'année passée avec les amis et tous ceux qui, n'est-ce pas, on le dit, l'idée peut naître d'une personne, mais on se met ensemble. Donc l'idée est venue depuis l'année passée. Et où nous avons donc permis à l'UNADA d'être juridiquement disponible sur tous les plans depuis le 1er janvier 2018. Donc pratiquement, nous sommes à notre troisième mois de sensibilisation. Voilà, donc depuis janvier. Depuis janvier, nous sommes opérationnels. Et voilà, comme je l'ai toujours dit, nous avons... nous avons mis en place depuis janvier toutes les structures juridiques. Janvier 2018. Oui. UNADA, l'idée a été conçue en 2017. En 2017, voilà. Et moi, revenant tout droit de mes plantations depuis l'Afrique, Suzy, comme vous le savez très bien. Et ce rêve fait qu'aujourd'hui, l'UNADA est née grâce à ceci. Parce que, voilà, les gens diront pourquoi et si ça, non. C'est né parce que je suis devenu un agriculteur depuis 5 ans, propriétaire de près d'une vingtaine d'hectares de champs. Et voilà, et je ne vais pas m'arrêter là parce que personnellement, je ferai à côté. Mais je voudrais qu'ensemble, tous les Africains, nous soyons capables de nous unir et d'amener ce projet-là agricole au sommet de l'art de l'Union africaine en grosso modo. Merci, Monsieur Eric. C'est vrai que vous avez parlé des objectifs, mais nous voulons vraiment particulièrement que vous détailliez quels sont les objectifs.
Oui, ok, d'accord. Là, les objectifs, c'est très facile. Comme je l'ai toujours expliqué souvent, et je me permets ici, grâce à Afrique Today, pour mieux encore expliquer les choses, n'est-ce pas? Les objectifs ici de l'UNADA, c'est quoi en principe? Nous avons pensé qu'il y ait un besoin naturel aujourd'hui. L'Afrique a besoin de la diaspora. Je lance un cri d'appel à tous ceux qui sont dans la diaspora. Qu'est-ce que j'entends par la diaspora? C'est tous ceux qui vivent dans tous ces continents hors de l'Afrique, qui sont l'Europe, l'Asie et tout le reste, de rejoindre l'UNADA parce que nous avons des objectifs à atteindre. C'est quoi les objectifs? C'est de promouvoir ici l'agriculture en Afrique et de l'autofinancer par les Africains. N'est-ce pas? Peut-être nous reviendrons plus tard, mais je vais essayer de remettre ça un peu. Les trois choses qui nous amènent ici à comprendre qu'est-ce qui est réellement l'UNADA. Donc, c'est promouvoir l'agriculture en Afrique par les Africains et l'autofinancer par les Africains. Le deuxième point ici, c'est d'amener l'autosuffisance alimentaire en Afrique. Parce qu'aujourd'hui, il faut l'avouer, l'Afrique meurt de faim. Monsieur Eric, je ne vous interromps pas. Nous allons rentrer dans ce volet. D'accord. Bon, je vais juste... Chers téléspectateurs, nous allons passer à la pub parce que nous avons beaucoup de pubs aujourd'hui. Avant de passer à la pub, je vais vous rappeler que, à l'introduction, Monsieur Eric vous a dit que l'UNADA est partenaire avec Afrique Today. Je vous le confirme. Nous sommes partenaires depuis quelques semaines avec UNADA. Merci. Ne quittez pas les antennes. Nous allons revenir tout de suite avec Monsieur Eric qui a beaucoup de choses à nous parler par rapport à l'UNADA. Merci. Pub. Alors, promoteurs africains, promoteurs culturels, membres des communautés africaines, n'hésitez pas à contacter Afrique Today, votre chaîne de télévision africaine, qui émet 24h sur 24 en ligne, la chaîne qui vous permet de promouvoir vos activités. Alors, contactez-nous immédiatement au numéro qui est affiché en bas de l'écran. Afrique Today, la chaîne africaine, la chaîne de l'avenir. Salut, 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 salut! Samedi 14 avril, au Hampton Hall. De 21h à 3h du matin, Emo Gala. Vous allez participer à une performance de Petit Longoro et Zaina. Alors ne ratez pas, samedi 14 avril, sponsor du projet Afrique Today. Voulez-vous parler de vous? Voulez-vous parler de votre association? Voulez-vous parler de votre business? Alors, connectez-vous tous les dimanches à partir de 15h en direct sur Afrique Today. Et regardez l'invité du dimanche. Une émission présentée par Suzy Long. Retour sur le plateau, chers téléspectateurs, avant de retrouver notre invité, M. Eric Makoso. Il y a Imo Gala qui organise une soirée de gala au Hampton Center le 14 avril 2018 à partir de 21h jusqu'à 3h du matin. Les billets sont déjà disponibles. Pour ceux qui ne connaissent pas où acheter le billet, contactez Afrique Today. Nous avons les numéros de téléphone pour ceux qui vendent les billets. Merci.
Bienvenue encore sur le plateau, Monsieur Eric. Oui, une fois de plus, Suzy, oui. Tout à l'heure, avant de passer à la pause publicitaire, je vous ai posé la question de savoir quels sont les objectifs de l'UNADA. Oui, je disais ici tantôt, les objectifs de l'UNADA étaient caractérisés sur trois principes qui étaient, je vais essayer de me répéter, c'est de promouvoir l'agriculture en Afrique et l'autofinancé par les Africains. Et le deuxième point ici était d'amener l'autosuffisance alimentaire en Afrique. Et le troisième point qui est très clé, qui est celui, une fois de plus, de créer de l'emploi derrière ce secteur, qui est un secteur auquel notre continent aujourd'hui est en train d'oublier et où les villes, les villages aujourd'hui sont devenus déserts. Donc, nous allons permettre aux Africains de savoir et de connaître que grâce à l'agriculture, nous sommes capables de vivre de l'agriculture et de nourrir sa famille grâce à l'agriculture. Donc voilà les trois choses qui nous amènent, qui nous réunissent ici avec l'UNADA en fait. Merci, ça c'est un gros projet, Monsieur Eric. Oui, mais effectivement. Ça crée un emploi aux Africains. Si, naturellement, parce que vous voyez. Et ça développe en même temps. Effectivement. L'agriculture en naturellement, Afrique. Naturellement, parce que tout de suite vous avez ces champs qui seront mis en Afrique, qui seront forcément, on aura besoin de l'emploi. Et parce que plus tard, l'UNADA veut aller plus loin avec la transformation, parce que nous allons transformer nos matières sur place. Et qui dit transformation dit emploi. Donc l'emploi. Ici, vous voyez, c'est des choses qui vont éviter à nos frères, je vais m'adresser d'ailleurs ici à eux, d'éviter de se retrouver par exemple en Libye avec tout ce qui se passe et tout ce que nous savons aujourd'hui. Nous allons permettre à nos frères ici et de retrouver enfin le plaisir de vivre en Afrique. Et n'oubliez pas une chose, il faut qu'on se le dise en face, l'Afrique, les Africains meurent de faim, pourtant nous avons des terres qui sont capables d'être rentables les 12 mois de l'année. Les 12 mois de l'année, je le dis bien, de janvier à décembre, nous sommes capables de cultiver de janvier à décembre parce que nous avons, n'est-ce pas, un climat qui nous permet en Afrique de réaliser ce genre de projet. Donc j'invite tous les Africains à se joindre à nous afin que ce projet soit possible et que pour une fois, les Africains de diverses nationalités, de diverses tribus puissent venir ensemble et créer ce mouvement qui sera ce qu'on va appeler, Suzy, si je veux me permettre ceci, une révolution agricole. Voilà, donc en gros, et je reviens à quelque chose, je ne vais pas oublier, qui est comment l'autofinancer. Donc, je crois qu'on reviendra peut-être plus tard parce que le taux financier, les gens vont se poser cette question. Donc, je laisse un peu le temps et on reviendra sur cette question peut-être plus tard. Merci, Eric. Vraiment, je suis ému. Et vous savez toujours que Afrique Today, quand nous recevons des bonnes informations et nous nous rassurons que nos invités ont de bons produits, on n'hésite pas à s'engager. Donc, je vous promets que à la fin de notre émission, pas seulement moi qui sera membre, je pense que beaucoup d'autres téléspectateurs qui sont là en train de nous suivre en direct vont devenir également membres. Mais avant de continuer, je voudrais savoir, je sais que le projet n'est pas encore mis en place, mais vous avez une idée quand même. Quelles sont les plantes à peu près que vous préconisez cultiver en Afrique? Déjà, l'Afrique a besoin de tout. Très, très bonne question. L'Afrique a besoin du piment, du sel, des taros, de la tomate,
désignable l'Afrique en a besoin aujourd'hui. Parce que nous constatons que le continent africain est le seul pays, le seul continent qui est envahi par d'autres continents. Ça, je l'ai souvent répété. Vous allez voir, vous allez le constater, tous les autres continents viennent s'accaparer de nos terres. Pourquoi nous ne nous posons pas cette question? Et c'est la question clé que l'UNADA s'est posée, n'est-ce pas, aujourd'hui, pour dire tout est favorable, tous les aliments sont favorables à l'UNADA avec sa cellule des ingénieurs et sa cellule des chercheurs qui vont permettre de rendre, de donner une fois de plus cette dynamique-là à l'Afrique qui est le secteur agricole. Bon, je vais revenir sur quelque chose parce que j'ai peut-être oublié ça au départ qui était... Je voudrais ici dire aux téléspectateurs que l'UNADA est une organisation qui est structurée et qui est née aux États-Unis. Bien sûr qu'il vient très très loin de l'Afrique parce que nous sommes les enfants de l'Afrique. Mais nous avons voulu juridiquement mettre les choses en place de façon à ce que cette structure soit une structure qui puisse être légale et sur un territoire où au moins la justice est reconnue, n'est-ce pas? Donc nous avons donc ouvert cette structure aux États-Unis et elle va s'investir qu'en Afrique. Donc je voudrais dire à tous ceux qui ont encore peur, n'est-ce pas, de rejoindre ce mouvement, parce qu'aujourd'hui c'est un mouvement, c'est une révolte dans un secteur qui a été oublié, je ne dirais pas par tous nos leaders, mais je fais un appel à tous nos leaders de donner la force à l'UNADA de secourir ce secteur qui est un secteur abandonné aujourd'hui. Donc l'UNADA est une organisation bien structurée avec un bureau qui sera mis en place, un bureau représenté aujourd'hui par tous les Africains de diverses nationalités, donc où je ne suis que le fondateur. Donc j'invite tous les Africains à nous rejoindre et qu'ils sachent qu'ils sont la bienvenue dans cette initiative qui n'attend que... Puisque elle est déjà créée. Elle est déjà créée et elle a besoin aujourd'hui... D'un coup de pouce. Oui, elle a besoin d'un coup de pouce. Pour et continuer, c'est pouce, de continuer. Aller de l'avant. Et ce coup de pouce, Suzy, je vais te rappeler quelque chose. Ce coup de pouce, c'est ce que j'ai appelé alors l'autofinancement. Parce que nous ne voudrons pas aller demander de l'aide. Parce que nous savons, quand on vous donne de l'aide de la main droite, on récupère ça de la main gauche. Donc aujourd'hui, nous les Africains, nous avons pensé que nous pouvons autofinancer ce projet. Et comment nous allons l'autofinancer? Nous avons ce qu'on appelle les affiliations qui sont, n'est-ce pas, de l'argent qui sera reversé. Parce que quand vous devenez membre, peut-être on reviendra plus tard, c'est cet argent qui permettra à l'Union agricole de la diaspora de s'autofinancer et d'aller réaliser ce projet en Afrique. Donc voilà un peu comment nous allons nous-mêmes nous autofinancer dans ce secteur-là, parce que nous ne voulons plus tendre la main, et je ne vais pas citer leur nom ici, à tous ces gros bailleurs de fonds qui viennent nous donner de l'aide, et derrière, et après, voilà. Et après, ils viennent nous exiger, ils viennent nous mettre de la pression parce qu'ils veulent ceci ou cela. Donc, nous demandons à tous les Africains de nous rejoindre afin que ce projet soit un projet totalement africain. Voilà. Donc, voilà ce que je pouvais dire. Et pour aider rien que les générations africaines de tout horizon. Voilà. Wow. C'est bien dit, Monsieur Eric. Nous allons continuer toujours dans le même volet. Nous savons que l'UNADA vient de naître il y a un an. Le lancement venait d'être en janvier dernier, oui, si je ne me trompe. Mm-hmm. Et maintenant, pouvez-vous dire aux téléspectateurs à peu près combien de membres depuis janvier? Depuis janvier, l'UNADA a pu inscrire. Voilà, donc... Très bonne question. Voilà, je vais rappeler ici à tout un chacun. L'UNADA est effectivement depuis le 1er janvier disponible avec son site internet
en anglais et en français, qui permet à tous les Africains, peu importe là où ils se trouvent, de pouvoir s'enregistrer. Alors, et on pourra dire ceci, c'est depuis sensiblement un mois, jour pour jour, que le site internet est disponible pour pouvoir accepter les affiliations qui sont en même temps les moyens qui permettront aux Africains d'aller investir en Afrique. Donc aujourd'hui, nous voulons atteindre un but. Le but, nous avons pensé que le point n'est pas focalisé sur l'argent. Parce que nous n'avons pas voulu focaliser ce projet au départ dans un secteur qui est celui de l'argent. Donc nous avons voulu mettre ensemble les Africains de toute nationalité confondues. Donc c'est pour ça que nous appelons ceci le panafricanisme. Donc nous avons voulu nous mettre ensemble et c'est de là est venue cette modeste contribution qui sera de 43 dollars. Et les 43 dollars permettront ici à aller investir. Et nous voulons atteindre les 3500 membres. Et dès que nous aurons atteint les 3500 membres, automatiquement le plan B sera activé. Et le plan B, c'est quoi? C'est celui qui nous permettra d'aller investir automatiquement dans un pays précis en Afrique. Mais pour le moment, depuis un mois, nous avons atteint 150 membres. Wow. De diverses nationalités et dans divers pays. Je ne manquerai pas de dire ici à nos frères qui sont en Afrique, qui sont partenaires, ils appartiennent aussi à l'UNADA, parce que nous avons reçu des Western Union qui nous reviennent de l'Afrique, des MoneyGram qui nous reviennent de l'Afrique. Wow. Les personnes qui veulent s'inscrire parce qu'ils n'ont pas peut-être des cartes bancaires. Donc grâce à ça, vous voyez aujourd'hui, l'UNADA est l'union, comme on le dit aujourd'hui, qui permettra à tous ceux qui pensent que l'Afrique doit, comme on le dit souvent le slogan, l'Afrique doit être debout grâce à l'UNADA. Donc je remercie ici notre partenaire Afrique Today qui me permet et qui me donne les possibilités de m'adresser à tous les Africains du monde entier pour leur dire merci de nous suivre en ce moment. Et je remercie déjà le fondateur d'Afrique Today, Monsieur Alain, que tout le monde connaît bien, sans toutefois vous oublier, Madame Suzy. Merci. Et sans oublier notre cher grand frère Ousmaou, que vous connaissez déjà. Donc commercial. Donc je vous encourage beaucoup pour ce que vous faites et je remercie l'opportunité qui est donnée aujourd'hui à l'UNADA, ici ensemble, d'évoluer dans les mêmes objectifs qui seront celui de mener l'Afrique très haut. Donc voilà, nous sommes aujourd'hui près de 150 membres de tous les pays du monde entier. Donc nous avons des gens qui se sont inscrits de l'Asie, de l'Europe, de l'Afrique, de l'Amérique, un peu partout dans tout le monde entier parce qu'ils ont compris qu'aujourd'hui, arrêtons les débats. Passons au pragmatisme, passons à l'action, passons aux actes sérieux pour élever l'Afrique de demain. Donc voilà, comment est-ce que je peux dire, nous avons besoin d'atteindre les 3500 membres. Et aujourd'hui, je suis très ravi qu'en un mois, nous avons pu inscrire près de 150 membres. Et ça, je suis très ravi et déjà, je remercie tous ces membres qui ont cru et qui croient en ce projet. Et c'est l'Afrique qui gagne. Je vous remercie, chers téléspectateurs. Avant de prendre la pause pub, il y a un point très important, Monsieur Eric. Vous dites que tout le monde est membre, pas d'exception. Pas d'exception. De l'Afrique aux États-Unis. Tous les Africains. Partout où ils se trouvent dans le monde. Tout ce qui est africain, je dis bien, dans tout le monde entier. Si vous pensez que vous avez des origines africaines, rejoignez l'UNADA. Parce que l'UNADA a besoin de vous aujourd'hui plus que jamais. Soyons, comme le disait souvent mon grand-père, soyons la tête et non la queue. Devenons ça et puis ben voilà. J'invite
tous les Africains ici d'écrire l'histoire à partir d'aujourd'hui. Écrivons l'histoire pour que enfin nous soyons témoins et que nous laissons une richesse à nos enfants et à nos petits-enfants de demain. Donc voilà, je ne citerai pas les grands noms ici de ceux qui ont amené les révolutions en Afrique, mais je voudrais que les gens sachent que l'Union agricole, la diaspora, est la révolution actuelle et la seule, la seule organisation ici qui veut réunir les Africains pour l'avenir de demain. Donc, c'est ce que je peux dire une fois de plus. Rejoignez l'UNADA, enfin, que nous soyons capables d'être l'histoire de demain. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci, Monsieur Eric. Chers téléspectateurs, si je pouvais acheter quelque chose, voici comment naît le partenariat entre Afrique Today et UNADA. Afrique Today rencontre UNADA qui a des bonnes ambitions pour le développement de l'Afrique. Et Afrique Today, qui est une chaîne de communication, de cohésence pour communiquer, pour informer tous les Africains du monde de ce qui se passe entre les Africains. Juste, c'est pour vous rappeler que tout Africain, toute Africaine qui a des bonnes ambitions, des bons projets pour le développement de l'Afrique, n'hésitez pas à contacter Afrique Today. Afrique Today, c'est votre chaîne disponible à votre information, à votre connexion. Et pourquoi ne pas vous sponsoriser? Merci. Chers téléspectateurs, nous allons passer à la pause publicitaire et quand nous revenons sur le plateau, M. Eric va continuer à nous parler de très bonnes choses que UNADA va réaliser dans les années prochaines. Merci pour la publicité. Ouais. Voilà, mesdames et messieurs, merci de nous regarder. Merci de nous regarder Afrique Today, votre chaîne culturelle, la chaîne africaine qui fait la promotion de la culture du continent africain aux États-Unis. Ne ratez pas ce grand moment d'occasion merveilleuse que nous offrons tous les jours. Artistes et musiciens, n'hésitez pas à nous contacter pour votre promotion musicale. Promoteurs culturels, contactez-nous également pour vos grands événements. Afrique Today, c'est la chaîne africaine, la chaîne de l'avenir. Salut, 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 salut. Samedi 14 avril au Hampton Hall, de 21h à 3h du matin, Emo Gala. Vous allez participer à une performance de Petit Longoro et Zaina. Alors ne ratez pas, samedi 14 avril, sponsor du projet Afrique Today. Fresh love. Voulez-vous parler de vous? Voulez-vous parler de votre association? Voulez-vous parler de votre business? Alors, connectez-vous tous les dimanches à partir de 15h en direct sur Afrique Today. Et regardez l'invité du dimanche. Une émission présentée par Suzy Long.
Merci encore de nous suivre sur ce plateau d'Afrique Today. Avant de continuer avec notre cher monsieur Makoso, je vais vous rappeler, Imo Gala organise une soirée de gala à Hampton Center le 14 avril 2018 à partir de 21h jusqu'à 3h du matin. Imo Gala organise une grande soirée de gala à Hampton Center le 14 avril 2018 à partir de 21h jusqu'à 3h du matin. Les billets sont déjà disponibles. Vous pouvez les acheter. Les informations sont dans notre website. Ne manquez pas cet événement. On aura en a cappella Petit Le Gros et Zaina, des musiciens de DMV qui font chauffer le DMV. Ne manquez pas à ce rendez-vous. Vous allez retrouver Afrique Today qui est le numéro un sponsor de cet événement. Je vous remercie. Bienvenue. Retour sur le plateau, monsieur Eric. Ah ouais. Moi, Suzy Laure Mabouin, si je deviens membre de UNADA, qu'est-ce que je gagne? Quels sont les avantages que je peux avoir? Ah ouais, ça devient intéressant. Très intéressant d'ailleurs, parce que voilà. Suzy, si vous devenez membre, et je sais que dans les minutes qui suivent, vous allez passer à l'action. Hein? Exactement. Voilà, donc voilà ce qui vous attend quand vous devenez membre. Un, vous devenez membre à vie. Quand vous allez sur notre site internet, vous enregistrez. Je vous fais juste un petit rappel. Vous aurez en retour sur votre email le statut intérieur et tout ce qui régit ici à l'UNADA. Donc, vous recevez cela après votre inscription. Alors, quels sont les avantages de devenir membre de l'UNADA? Les avantages de devenir membre de l'UNADA, c'est quoi? C'est un, vous devenez membre à vie. Et de deux, vous bénéficiez des 60% de tout ce que l'UNADA aura fait comme profit sur le continent africain. Donc, je dis bien les 60%. Pourquoi j'ai dit les 60%? Parce que nous avons prévu 40% qui vont rester avec l'UNADA pour permettre à l'UNADA d'enclencher ici, dans le secteur toujours agricole, des produits à long terme. Parce que tout de suite, quand nous allons démarrer avec des produits qui vont commencer à produire et rentables dans les 6 mois à 3 mois à venir. Donc, puisqu'on ne va pas s'arrêter là et que nous voulons créer ce qu'on appelle ici l'autosuffisance alimentaire et créer de l'emploi et n'est-ce pas ici arrêter la faim en Afrique, nous allons donc remettre les 40% des profits qui reviendront de tout ce que nous avons investi. Et ces 40% resteront comme ça et toujours à l'UNADA pour avoir, n'est-ce pas, des choses à long terme. Par exemple, j'explique, je vais être très simple ici dessus. Imaginons-nous qu'on commence avec un champ de tomates de 100 hectares. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons des spécialistes comme Charles Bitama, une grande personnalité qui n'est plus à démontrer, qui a rejoint l'UNADA aujourd'hui, qui est un chercheur dans ce domaine agricole, n'est-ce pas, qui est capable d'amener la tomate à vivre pendant 2 ans et à produire. Mais vous savez, en Afrique, on nous a toujours dit la tomate, c'est 3 mois ou je ne sais pas trop, les histoires. Et ça finit. Et ça finit. Et on attend la période encore. Mais cette fois-ci, je vous rassure, Suzy, nous avons des techniciens, des chercheurs qui pourront faire tenir cette tomate pendant 2 ans. Et alors, quand nous avons produit la tomate comme ça,
Vous voyez, c'est des choses qui vont rester pour 2 ans ou 1 an. Mais entre-temps, nous avons des revenus qui sont là. Ces revenus sont donc redistribués à 60% à tous les membres. Et les 40% restants, malgré que le champ de tomates continue à produire et à ramener des profits, et à chaque fois qu'il y aura des profits, ces profits seront reversés ici à tous les membres. Et les 40% seront là pour aller à des produits de long terme, par exemple comme le plantain, le palmier à huile, et tout ce qui suit avec ça. Donc voilà à peu près le plan, et c'est comme ça que nous allons partir pays par pays pour l'investissement. Parce que nous avons une vision, c'est d'anéantir la faim en Afrique et de permettre à l'Afrique de manger à 100% africain. Donc voilà les avantages. Le deuxième point, n'oubliez pas, nous n'allons pas rester éternels. Vous le savez, Suzy, nous ne sommes pas éternels. Donc nous avons ici quelque chose que nous allons laisser à nos fils et à nos petits-fils. Donc s'il arrive que moi je ne suis plus là demain, qu'est-ce que l'UNADA fait? L'UNADA a prévu que vous allez déléguer quelqu'un que le bureau tiendra compte et qui va continuer dans l'avenir à récupérer vos profits qui reviendront de l'UNADA. Donc voilà, vous voyez, et après cette personne, ainsi de suite. Donc c'est tellement bien organisé de façon à ce que nous soyons la révolte du 21e siècle. Donc voilà les avantages qui régissent ici. Je crois, si je me suis permis de mieux expliquer à peu près quels sont les avantages de devenir membre de l'UNADA. Donc merci déjà, parce que je vous vois déjà comme membre déjà même de l'UNADA, et avec notre partenariat Afrique avec Afrique Today, je crois que l'Afrique peut dire merci et à tous ses enfants pour ces projets et pour cette vision qu'on a pour l'Afrique. Donc, j'appelle tous les Africains à nous rejoindre dans ce combat afin que nous puissions être libres. Merci, Monsieur Eric. J'espère que j'ai essayé de vous expliquer Je vous confirme que je serai, dans les minutes qui suivent, membre de l'UNADA. Ouais. Je suis convaincu et je suis pour l'évolution de l'Afrique. Et je pense que nous allons prendre une pause publicitaire rapidement avant de revenir sur le bain et le dernier sujet sur l'UNADA. Mais avant de prendre cette pause, vous me disiez que vous voulez informer nos téléspectateurs, comment souscrire sur Facebook? Oh oui, je crois que je viendrai dessus tout à l'heure, mais je voudrais ajouter quelque chose. Le site de UNADA est en français et en anglais. Donc, allez-y, visitez notre site internet qui est unada.org. Je crois que vous aurez les possibilités de vous inscrire. Et j'allais oublier quelque chose, Suzy. Et quand vous devenez membre de l'Union agricole de la diaspora, vous recevez une carte informatisée, si vous me permettez, une carte comme celle-là. Je vais essayer ici, si on me permet, si vous me permettez. Une carte, exactement une carte de ce genre. Une carte comme ça, une carte avec un code, avec votre photo, et parce que nous ne voulons pas être débordés plus tard. Et parce que nous voulons dire à tous les Africains de nous rejoindre, afin que quand nous allons atteindre les 3500 membres, que chacun soit capable de s'identifier grâce à cette carte qui sera envoyée à tous les membres, peu importe là où ils se trouvent. Nous avons mis les moyens, toutes les disponibilités pour que tous ceux qui sont membres aujourd'hui soient capables d'être après l'Assemblée générale définitive qui va nous permettre ici d'aller évoluer en Afrique. Chacun recevra sa carte de membre avec son numéro de matricule. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Waouh! Ça, c'est du nouveau en Afrique.
Merci, Monsieur Eric. Nous allons passer rapidement à la pause. Le temps ne nous permet pas de rester longtemps dans ce plateau. Quand nous allons revenir, chers téléspectateurs, Monsieur Eric pourra nous dire son mot de fin après les deux questions qui nous restent. Merci pour la pause. Afrique Today, c'est de la musique, des reportages, des commentaires, des analyses, des documentaires et bien d'autres événements qui vous permettent de passer des moments agréables. Afrique Today, c'est votre chaîne africaine, la chaîne que nous vous recommandons vivement. Voici le contact affiché au bas de l'écran. Alors, ne ratez aucune occasion merveilleuse de regarder cette chaîne africaine qui fait la promotion du continent africain. L'Afrique se vit en direct des États-Unis. L'Afrique se vit également en direct de l'Afrique grâce à Afrique Today. Afrique Today, votre chaîne, la chaîne de l'avenir. Salut, 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 salut! Samedi 14 avril au Hampton Hall. De 21h à 3h du matin. Emo Gala! Vous allez participer à une performance de Petit Longoro et Zaina. Alors ne ratez pas! Samedi 14 avril. Sponsor du projet Afrique Today. Voulez-vous parler de vous? Voulez-vous parler de votre association? Voulez-vous parler de votre business? Alors, connectez-vous tous les dimanches à partir de 15h en direct sur Afrique Today. Et regardez l'invité du dimanche. Une émission présentée par Suzy Long. Retour sur le plateau, chers téléspectateurs. Pour ceux qui viennent de se connecter, notre invité spécial sur ce plateau aujourd'hui, c'est Monsieur Eric Masoko. Il est président fondateur de l'UNADA. Monsieur Eric, pouvez-vous nous parler du partenariat qui lie l'UNADA à Afrique Today? Merci une fois de plus. Déjà, je vous remercie pour m'avoir permis ici, avec ma modeste personne, d'intervenir sur vos plateaux. Et quelques semaines avant, nous avons signé un partenariat qui permet aujourd'hui à l'Afrique d'être debout. Et ce partenariat est, comme on le dit souvent, gagnant-gagnant. Donc, je voudrais dire ici à tout un chacun, vous qui nous suivez actuellement, nous sommes ensemble dans ce partenariat aujourd'hui parce que nous pensons que ensemble, unis, nous sommes forts. Désunis, nous sommes morts. Et j'ai toujours utilisé ce slogan pour demander à tous les Africains de comprendre réellement quelle est la force que nous pouvons avoir si nous nous mettons ensemble. Donc je remercie ce partenariat qui est la bienvenue parce que grâce à Afrique Today aujourd'hui, j'ai la chance d'être là dans ce direct pour permettre à tous les Africains de comprendre le besoin dont l'Afrique a aujourd'hui. Donc, je remercie ce partenariat. Mais en passant, grâce à ce partenariat, Afrique Today et UNADA, je vais vous le dire aujourd'hui, allez-y,
parce que nous avons prévu un jeu qui permettra à tous les Africains, peu importe là où ils se trouvent, en Europe, de participer à ce jeu qui fait l'union. Donc nous avons prévu, et pour assister à ce jeu, il est très facile. Vous qui me suivez actuellement, allez en direct sur YouTube, subscribe, enregistrez-vous et à Afrique Today pour vous permettre de gagner ici des prix qui seront dans le mois qui suivent, permettront à 3 heureux gagnants de gagner ici un prix, peu importe le pays là où se trouve, pour une destination en Afrique. Et le deuxième prix ici permettra de gagner une télévision. Et j'ai le troisième prix, un téléphone à votre choix. Ça veut dire, nous avons déjà prévu où ça sera un iPhone ou un Samsung. Ce partenariat a donc ouvert ce jeu qui sera joué que sur des personnes qui auront subscribe sur YouTube. Allez-y sur YouTube, Afrique Today, subscribe et vous aurez la chance de gagner l'un de ces prix. Devenez l'un des premiers heureux gagnants de ce prix, hein, de ces trois prix qui sont aujourd'hui organisés grâce à UNADA et Afrique Today. Donc voilà, à peu près une fois de plus, comme je le disais, l'union fait la force. Et grâce à l'union fait la force, nous avons créé ce jeu sur YouTube. Je dis bien, allez sur YouTube. Ce jeu permettra à 3 heureux gagnants d'être élus meilleur gagnant de ce jeu. Allez sur YouTube, subscribe. Je vous le demande. Allez sur YouTube, subscribe. Allez sur YouTube, Afrique Today, c'est collé. Cliquez sur Afrique, sur subscribe, s'il vous plaît. Cliquez sur subscribe. Subscribe. Et enregistrez-vous. Et tout de suite, à la fin du mois, vous aurez les gagnants. Peu importe là où ils se trouvent. Les prix seront sur notre chaîne de télévision. N'oubliez pas d'être ici des heureux gagnants de demain pour Afrique Today. Donc, je vous remercie. C'est ce que l'UNADA peut amener aujourd'hui avec Afrique Today. Ce partenariat, ce premier partenariat africain qui unit les Africains pour amener le succès et la gloire de l'Afrique. Voilà à peu près ce que je peux aujourd'hui amener à nos téléspectateurs, un jeu qui permettra à tous les Africains de gagner. Allez-y, cliquez, subscribe, Afrique Today, en un seul mot, cliquez dessus et vous serez le gagnant de cette fin du mois. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur Eric. Chers téléspectateurs, si je peux vous rappeler juste le concours que Monsieur Eric venait de vous donner des détails. C'est simple tel qu'il a dit. Cliquez sur subscribe et ne soyez pas surpris que vous êtes le regagnant. Cliquez sur subscribe. C'est tout ce qu'on vous demande de faire. C'est souvent en rouge et ça apparaît. Ça vous attire. Ça clique. Cliquez justement, subscribe et à la fin du mois, soyez sûr, même si vous êtes où, on va vous trouver si vous êtes le regagnant. Merci encore pour ceux qui sont connectés et qui sont restés fidèles à notre émission qui vous apporte chaque dimanche des sujets nourris, des sujets qui peuvent vous épanouir, qui peuvent vous aider. Et merci également à M. Eric qui, dans sa façon de faire, est venu aujourd'hui encore dans notre plateau nous nourrir de ce nouveau et grand projet qui va non seulement créer les emplois en Afrique, et vous qui devenez membre, ne soyez pas surpris que
les 60% dont il a parlé vous rendent riche aussi. Faites comme moi. Allez dans le site unada.org, enregistrez-vous, payez vos $43, devenez membre et voyez ce que l'avenir va nous réserver. L'Afrique avance et les chances s'augmentent. Merci encore. Ne quittez pas nos antennes. Nous sommes à la fin de notre émission. Monsieur Eric. Oui, le plaisir. Je vous dis merci encore. Alors, le plaisir, Suzy. Vous avez un dernier mot, vous voulez dire? Alors, naturellement, je reviendrai comme ça de temps en temps à vos émissions pour vous permettre ici, pour permettre aux Africains de comprendre la logique et le futur de l'UNADA jour après jour. Donc, allez-y visiter notre site internet qui est unada.org. Et il est en français et en anglais. Vous aurez tout ce qui est disponible. Et n'oubliez pas, vous avez un numéro de téléphone. Vous avez des numéros de téléphone sur le site internet que vous pouvez appeler 24 sur 24 pour plus de renseignements. Ou alors, rapprochez-vous d'Afrique Today pour avoir plus de renseignements pour ceux qui n'ont pas peut-être pu comprendre la nécessité qui nous mène aujourd'hui. Et je remercie ce partenariat qui est né. Et voilà, et c'est l'Afrique qui gagne. Merci à vous, Suzy, de m'avoir permis d'être là sur votre plateau ce soir. Au plaisir. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre émission. Restez fidèles, comme je l'ai dit. Mais ne quittez pas. Cette chaîne a de bonnes choses à vous montrer. Soyez connectés juste à 16h. Vous avez l'émission Showbiz Afrique Today qui sera présentée par M. Oumarou Malaike à partir de 16h, juste dans quelques secondes. L'émission est connectée. L'émission s'appelle Showbiz Afrique Today. Restez connectés et découvrez des choses merveilleuses que Afrique Today vous propose. Je vous remercie encore. Soyez fidèles dimanche prochain. Votre présentatrice Suzy Laure M sera là au rendez-vous. Ne manquez pas. Merci. Ciao. Ciao. Merci beaucoup. Au plaisir. Sa diaspora, dans le monde la même pour que l'Afrique soit vivable.